sort le ballon offert à Islam Slimani qui peut contrôler. Et il a senti bien sûr l'arrivée de Riyad Mahrez. Mahrez qui a un petit peu d'espace face à lui. Riyad Mahrez dans la surface de réparation. La frappe, oh, qui nous est offert par le milieu de terrain de Leicester, le ballon d'or africain qui vient montrer la voie. Ça avait pour être Salah, c'est frappé. Le coup de génie de Salah qui lance parfaitement le match. Il avait délivré une passe décisive lors de la dernière journée. Il s'offre un coup franc canon pour lancer cette rencontre. Arrêté Bissouma. Bien sûr que le mur est sur la distance. Cette fois-ci, il va le faire. La frappe de Bissouma, c'est bien parti. Oh, le chef-d'œuvre. Quel bijou. Le coup de canon dit Bissouma pour relancer peut-être les Aigles dans cette fin de match. On s'est frappé directement. Le coup franc magistral. L'éclair. Qui transperce littéralement la défense de cette équipe du Ghana. Le Burkina, incroyable, encore en seconde période, va trouver l'ouverture et se libère. Voilà, la main c'est vite. Hein. Ballon renvoyé par Rouari de la tête, remis côté camerounais. Et Piketty qui enchaîne, c'était magnifique ce qu'a fait Piketty. Piketty, la vitesse du numéro 18 de cette équipe de la Guinée-Bissau dans la surface de réparation. Il va s'ouvrir en angle de tir. De Piketty et le but d'exception de joueur de la Guinée-Bissau qui lance parfaitement ce match. Ça n'est plus une surprise, cette équipe de la Guinée-Bissau. Une révélation, c'est une confirmation. Quel beau but, quel rush individuel de Piketty. Il est parti de loin, il a fait reculer cette défense camerounaise. Il a réussi à s'ouvrir l'axe. Il y avait quand même une petite faute défensive de N'Gadeu. Ibrahim Salah, il y a Mahmoud Hassan qui est seul à l'opposé au deuxième poteau. Le bon contrôle de Karaba, la remise est bon. C'est exceptionnel. Magnifico. Cette frappe enroulée de Mohamed Salah. L'appui était somptueux déjà. Mais que dire? Que dire de ce délice qui nous est offert par l'attaquant de la Roma. 1-0 pour les Pharaons. Quel ballon encore, de jamais laisser de l'espace, quel que soit le temps fort, le temps faible, à Mohamed Salah aux abords de la surface de réparation. C'est très très bien arbitré. Attention parce que c'est reparti avec Iguma là. Nouvelle frappe. Oh, quel but, la, 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 la. Quel but exceptionnel de Farouk Mia. On le présentait comme l'un des atouts majeurs de cette sélection ougandaise. Le joueur du Standard de Liège qui inscrit son 16e but en sélection et qui permet à l'Ouganda de mener 1-0. Moulumba s'agace. Il semble que c'est lui tout à l'heure qui perd ce ballon. Oh, quel but! Oh, quel but! Il est furax, Razak, parce qu'il y avait ce moment de flottement. Et Mpoku a fait une superbe première période. Eh oui, eh oui. Bah, tant pis pour vous. Avec le gardien de la RDC. On comprend mieux le fait qu'il ait demandé le ballon dans les pieds plutôt que l'espace. Tu vois, il prend le ballon avec Boubacar. Oh là là, le bijou, le bijou offert par Vincent Boubacar. Quelle folie, qui a complètement changé le visage des Camerounais dans ce match, dans cette finale. Et c'est lui qui vient marquer son premier but dans cette compétition et permettre pour l'instant au Cameroun d'être champion d'Afrique. Quel but! L'âme de la deuxième mi-temps, Vincent Aboubakar, de la part des Camerounais. Quel nez de la part d'Hugo Broz d'avoir fait ce changement, Xavier. Encore une fois. Serge Aurier contré, c'est récupéré par Nabil Dirar qui peut écarter aussitôt vers Enesri. C'est bien fait, une touche pour Rachid Alioui. Alioui, quelle inspiration, quel chef-d'œuvre offert par Rachid Alioui. C'est une pure merveille. Ça fait 1-0 pour le Maroc qui fait un grand pas désormais.